Bilal, victoire ce soir contre le champion en titre. Ah ouais, c'était une grande prestation aujourd'hui avec ces champions. Ils ont quand même bien débuté la première période avec beaucoup de mouvements, beaucoup de possessions de balles. Je pense que c'est un travail qui vient de commencer avec le nouveau coach parce qu'il a quand même beaucoup d'expérience au niveau international. Et c'est un nouveau Scarbeck, c'est une nouvelle ère pour eux. Donc voilà, ils sont venus ici avec un peu avec le couteau sous les dents pour se donner à fond, quoi. Match très fermé en première mi-temps. Vous prenez quand même l'avance. Deux buts de ta part aussi. C'était la soirée Bilal. Pas la soirée forcément la mienne, mais c'est le travail de toute l'équipe. Parce que nous, parce que en général, moi, je joue ailier. Et là, j'ai dû jouer pivot parce que je dois compenser avec Imad qui est aussi pivot et qui par moment on doit le faire souffler. Et donc je reçois deux ballons de Zakaria Katouf. Je profite des deux actions. Ça a été assez facile. Mais dans l'ensemble, on a bien défendu et c'est ce qui nous a fait. C'est ce qui a été notre point fort aujourd'hui. Je pense qu'on a bien défendu. La place de pivot aujourd'hui, elle t'a réussi. Tu préfères cette place qui t'a super bien réussi ce soir, ou alors tu préfères ta place d'ailier comme d'habitude? Maintenant, moi, je préfère travailler. Le poste n'est pas important pour moi. À partir du moment où je dois, par exemple, j'aime bien être polyvalent. Ça veut dire si maintenant il y a un joueur qui est blessé ou que je suis là pour remplacer les joueurs. Après, on travaille toujours en équipe, que tu sois ailier à gauche, à droite ou à l'arrière. Il faut savoir remplacer ses coéquipiers par moment et voilà, se sacrifier des fois, même si on ne se fait pas vraiment plaisir. Là, voilà, j'ai un peu de réussite. C'est ça qui. Ça fait plaisir de marquer deux goals, mais voilà, même si tu ne joues pas à ton poste, voilà, tu t'en fous. Deuxième mi-temps, par contre, plus timoré, un peu plus sur les réserves. On n'a pas eu autant de déroulés qu'en première, sauf à la fin, Scarbeck a osé jouer gardien volant à 2-1 pour revenir à 2-2. Ça n'a pas réussi pour eux, tant mieux pour vous. Un bon gardien encore à Birgirmas, encore des grandes soirées. Dire que c'était pas vraiment. On a eu quelques contre-attaques, c'est nous qu'on met pas nos occasions. C'est vrai, Birger il fait quelques arrêts très importants. Mais nous on a aussi comme beaucoup d'occasions qu'on ne conclut pas. À la fin, ça nous met en difficulté. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas jouer plus libéré. Parce qu'on donne cette impression de pas jouer comme il faut, mais quand on a une équipe qui vient avec beaucoup de joueurs à connotation offensive, ça devient compliqué de développer son jeu. Et là, par moment, on n'était pas bien parce que dans nos têtes, dès que tu rates une occasion, ton esprit, tu deviens négatif et c'est ça qui fait que tu joues. Mais on est resté quand même concentré sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. C'est ça qui a fait qu'on a gagné parce que même à la fin, quand ils jouent gardien volant, on a bloqué les trous, on a bloqué les passes importantes. Et voilà, on a bien fait ça, moi je trouve, en deuxième mi-temps. Sur le point de vue défensif, je le précise, c'est pas notre qualité forte. C'est sur ça qu'on a bien fait, quoi. Belle soirée en perspective pour Bilal. Comment va se finir ce week-end, cette soirée déjà? Mais ce week-end, ça va se finir avec madame à la maison, tranquillement, ou bien chez la belle famille. Et demain, on va aller travailler. Après-demain, on va aller travailler. Lundi, on revient à l'entraînement. Merci Bilal et bonne soirée à toi. À toi aussi. Bonne soirée. Salut.